السلام عليكم. دونك اليوم غنكملوا مع لي كومباك اللي قلت لكم. اليوم لا استرا دونك هي من لي كونكورونت ديال سيت ليون ميغان غولف. شنو اخر؟ ميغان غولف اي 30 هي ما جبدناهاش داك النهار ولا فوكس. بقاو معنا. Commence le test de l'Astra. On va aller notre planche. Donc, sachant le modèle, il y a 200 kg le modèle là. Normalement, il y a la consommation. Aussi, rapport poids-puissance, déjà dit. Donc, c'est 1,6 136 chevaux. L'habitacle bien soigné. La version d'elle fait un volant multifonction, régulateur de vitesse, 4 Go écran multimédia. En fait, c'est Apple CarPlay ou Android CarPlay. Donc, qui te connecte à téléphone direct. Tu vois la musique, les appels et tout. Gaichi. L'Astra K, donc elle a été dévoilée en 2015. Donc la différence entre l'autre Astra, donc les feux plus fins, on met les feux arrière avant, donc ils ont bien travaillé le design. Oui, ça ressemble un peu à l'arrière le Golf 7, donc c'est concurrente. Boîte le 1.6. Ben, je n'ai plus nerveux. Opel, donc, Crofuf Design, donc ils ont amélioré le traitement bien le design. Normalement, il y a la restylée. La restylée de l'Astra. Donc, je suis ben, donc, plus agressif la face avant d'Yala. Pour conclure donc, les adversaires d'Yala, la 7 Leon, la Golf, la Mégane, la. Donc la Focus. Donc c'est assez rapport. La direction souple. Plastique mousse cuir cassé. Par contre, on a les inserts en noir, diamant. Donc c'est plus sobre. Position de conduite, par contre, selon le modèle que j'ai testé, tu vois que c'est l'avant là. Rien que ça. Donc par rapport au modèle القديم, donc bah là où la tabta chouia. Il a beaucoup évolué l'Astra design, donc il y a plus de là. De la version d'Yana fait les gens 17 pouces et quand même que tu sens la puissance, donc elle est coupleuse bas régime. L'habitacle très sobre, l'écran 7 pouces disponible sur toutes les versions dedans. Moteur couple d'origine, mais
le coffre plus petit, donc le plus petit de la gamme. Donc à donner notre avis sur la Astra. Et sinon, donc, on remercie nos fans et les propriétaires de la voiture qui nous a fait la confiance, donc nous l'a laissé pour tester. Merci beaucoup.